Qui vous a fait sortir? Qui vous a laissé ici, dans cette fournaise? C'est le nouveau, monsieur Henri? Le soleil cogne, Pitou, comme un boxeur. Regardez, c'est superbe. Car au général, plus un brin d'air, la plage a le souffle coupé, la mer est au tapis, sonné. Apportez-moi mon ombrelle. Tout de suite. Voilà. Ne croyez-vous pas qu'il vaudrait mieux rentrer? Le docteur Marot l'a répété. Une femme dans votre état... Mon état? Quel état? Je n'ai pas d'état. Mon ombrelle. Tout de suite. Oui, oui, je sais. Je dois aller jusqu'au bout, finir, achever, accomplir. Mais par cette chaleur. De toute façon, toi aussi tu es condamné, la boule. Toi aussi tu roules, tu te consumes, tu te brûles. Eh bien, tu ne seras pas facile à remplacer toi non plus, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre ouvrage, madame. Ah, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Ah non? Ombrelle, mon ombrelle. Je craque et je me dessèche, Pitou, comme un vieux lézard. J'en étais sûr. Vous avez de la fièvre. C'est ridicule, le soleil. Qui vous a fait sortir, hein? Qui veut vous rendre malade? Le docteur Marot a pourtant dit... Je n'ai pas de fièvre, je veux travailler. Que dans votre état, la plus légère fièvre, oui, mais... même la plus légère, pouvait être le grave symptôme de quelque chose. De quelque chose... d'autres. Voilà ce qu'il a dit. Pitou ! Non, mais plus tard, c'est moi que vous blâmerez, Pitou. Vous me laissez cuire des heures au soleil. Sans vous, je serais rentré, je vous connais. C'est moi que vous accuserez jusqu'à ce que... Enfin, si vous le pouvez encore. Pitou, mon ombrelle ! Le phonographe aussi. Un peu de musique pourrait me ramener à la vie. Le phonographe ? Ici ? Dehors ? Pourquoi pas ? L'air marin, madame. C'est très nocif, le bon air. Le sel attaque les petits trous, les petits cylindres, vos petits ressorts, vos petites dents. Les petites dents? Et la musique, madame, c'est très dangereux avant la digestion. Il est bien connu dans le monde médical qu'un excès de musique irrite le tube digestif. Ben, ne va-t-on pas au concert sans avoir dîné, hein? Ma mère me disait toujours, Georges, l'oreille et l'estomac sont des organes qui se contrarient. Tu ne dois jamais... J'ai promis à ce pauvre diable de lui offrir une perruque convenable s'il arrivait à passer une journée entière sans me torturer avec les avis médicaux du docteur Marot ou de sa mère. Eh bien, il mourra aussi chauve qu'un œuf, hein. Oh, tiens, zut, j'aurais dû lui demander d'apporter les notes. Oui, oui, je sais. Je dois travailler. Quand même. Rien que pour étonner Maurice, qui pense que son pauvre débris de mer passe ses journées ici, allongé, à ne rien faire, comme un vieux lézard aplati par les coups du soleil. Oh, c'est pas mauvais, ça. Tiens, notez-le, Pitou. Bah, où est-il? Pitou? Pitou? Où dois-je poser le... Chut, notez le... vite. Aux yeux du monde, je ne suis plus qu'un vieux lézard... Ici. Ah, vous me suivez? Ou bien là-bas? Qu'un vieux lézard aplati par les coups du soleil. Pitou, vous n'écrivez pas? Non. Pourquoi? Je n'ai pas, je ne peux pas, je ne sais pas ce que nous sommes en train de faire, madame. J'ai de plus en plus de mal à vous suivre. Et où est mon ombrelle? Votre quoi? J'ai très clairement demandé mon ombrelle. Vous avez très clairement demandé votre phonographe. Et mon ombrelle? Non. Si! Vous êtes sûr? Oui. Et... cela aurait pu m'échapper. Mais faut le croire. Ah, cette chaleur nous joue des tours. La meilleure chose pour nous deux serait de rentrer. Se tais, Pitou. Plus un mot, plus un geste. Allez. Voilà, j'écris O-M-B-R-E-2-M. Je sais lire, madame. Alors, allez la chercher. Allez, rapportez les notes aussi.
Les notes? Oui, le classeur bleu avec les giroflées. Vous savez où il est? Le classeur? Ici? Oui, mon ombrelle et le classeur bleu avec les giroflées. Nous allons travailler à vos mémoires, ici, à l'extérieur. Pourquoi pas? Alors, nous n'avons plus besoin du phonographe. Laissez le phonographe où il est, Pitou. Allez-vous-en. Pitou! Madame. Où allez-vous? Dans ma chambre, madame. Pourquoi? Vous m'avez très clairement demandé de m'en aller. Et de rapporter quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Quoi? Le classeur bleu, celui avec les giroflées, dans lequel se trouvent nos notes pour le deuxième volume de vos mémoires. Et puis? Le classeur bleu, celui avec... Qu'est-ce que vous avez dans la main, Pitou? Oh, madame... La main gauche. D'accord, comme vous voulez. Seulement, je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez espérer qu'une simple ombrelle puisse vous soulager d'un cas d'indigestion nerveuse, doublé par ce qui a débuté comme une fièvre de rien du tout, mais qui est en train de s'aggraver nettement, madame. Docteur Marot! Docteur Marot! C'est bien qu'il est à la place. Madame ne veut pas rentrer. Juliette, vous faites. Un peu de musique pour piquer la mémoire, la réveiller. Mozart, au messager. Caruso. Nelly Melba. Elle chante comme les Australiennes. Toutes les notes, pas la musique. Oh, Géraldine Farrar, sûrement pas, cette salope. Ah, Marie Garden. Oui, mademoiselle Garden, vous chantez avec votre âme. Non, avec votre ventre, ce qui est encore mieux. De la douceur d'abord, puis de la colère. Mettez-vous en colère, mademoiselle Garden. Elle sait, mademoiselle Garden, que ses jours, ses heures sont comptées. Chaque seconde a de l'importance. Chaque seconde doit permettre d'accomplir quelque chose. Chaque seconde consume le peu de lumière et de feu précieux qui lui reste. Madame? Chut. Les notes, madame? Doucement. Le soleil. La musique. Je vous apporte vos notes. Silence ! Je croyais que vous aviez l'intention de travailler à vos mémoires. Mais c'est ce que je fais, Pitou. Je suis en train de me souvenir. Ma mère vient d'entrer sur la scène de ma mémoire. Votre mère ? Un instant, madame. Judith von Hart, ma mère, était fille d'un juif hollandais qui fabriquait des meubles de rotin. Mais elle ne voulait pas rester dans la paille. Elle avait de l'ambition. À 20 ans, elle était déjà devenue française, catholique et femme entretenue. Très bien entretenue, non? Vous avez déjà mis cela dans votre premier volume. Elle avait la beauté, les bonnes manières, le don de rendre les hommes heureux. Je n'ai hérité d'aucune de ses qualités. Je pense que cela lui a brisé le cœur. À supposer qu'elle en ait eu un. Ah! J'y suis. Voici mes fiches. Mère, aux yeux du monde, mère était mère. À la lettre P. Ma à cause mère de était un bouquet père, de plus vite, c'est la même un bouquet délicat de violettes hollandaises. Des violettes hollandaises coûteuses à cause des frais d'importation. Des violettes qui ont si souvent changé de main qu'elles ont perdu leur fraîcheur, mais qui, à chaque passage de main, retrouvent leur parfum. Maman et maternité, au cas où on ne sait jamais. Plutôt, vous avez noté tout cela? Naturellement, madame. Ma mère était un bouquet de violettes séchées importées de Hollande. Leur parfum s'amplifie lorsqu'on les écrase un peu. Mais moins vite, madame! Mais sous le papier de soie,
les violettes avaient des épines d'acier. Les violettes n'ont pas d'épines, madame. On voit que vous n'avez pas connu ma mère, hein. Ah, le disque s'est arrêté. Dieu merci. Remettez-le. Mais madame... Remettez-le. Mais... Vous et mademoiselle Garden en même temps, n'est-ce pas un peu trop... Trop? Trop. Je ne suis qu'un être humain, madame. Remettez-le. En tout cas, nous n'en étions plus là la dernière fois. Nous étions arrivés aux tournées en Amérique du Sud. Nous en avions fini avec votre mère. Je n'en ai jamais fini avec ma mère. Musique. Dis-moi que je suis belle. Nous reprenons à Violette. Violette. Papier de soie. Papier de soie. Épine de violette. Non, mais ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Sans doute, votre mère voulait-elle, comme toutes les Hollandaises, revenir au pays pour cultiver les fleurs. Et peut-être créer une nouvelle espèce. Ma propre mère avait la main verte et coupait les bulbes en deux. Assez! 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 Oh! Et puis ce disque! Oh, ben, Pitou! Non, oh, ben, eh. Oh, ben. Oh, non. Eh ben. Pauvre mademoiselle Garden! Elle chante faux. C'est vrai. Mais avec son ventre. Son bas ventre. C'est vrai. Mais c'est pas une raison pour... Oui, mademoiselle Garden. En plus, il va falloir que j'achète une nouvelle aiguille. Oubliez l'aiguille, puis tout. Il faut que je travaille, mais cet après-midi, même ce satané soleil n'a pas mis mon cerveau en ébullition. Je vais appeler le docteur Marot. Non, il n'y a qu'un remède. Et vous le connaissez, vous seul pouvez me le donner. En 10 minutes, le docteur Marot... Mais les docteurs ne savent soigner que les gens ordinaires. Ils font de la médecine de vétérinaire. Parce que vous, vous me connaissez, et vous pouvez me guérir. Alors aidez-moi. Je vais vous aider à rentrer. Mais regardez-moi. Vous savez ce qui doit être fait. Madame, je ne peux pas. Rentrons, je vous en supplie. Ça m'a toujours aidé. Mais mettons-nous à l'ombre. Rafraîchissons-nous, détendons-nous. Et demain matin, sans effort, nous pourrons recommencer. Demain est une illusion, Pitou. Le soleil n'est qu'une braise. Tout va disparaître. Il ne reste que cet après-midi. Je ne peux pas. Vous m'abandonnez. Vous fichez pas mal de mes mémoires. Oh, c'est une idée à moi, vos mémoires. Et c'est aussi une idée à moi d'écrire ce deuxième volume pour éclairer le monde civilisé. Et l'Amérique, éventuellement. Alors aidez-moi. Vous avez été engagé pour m'aider. Je vous rappelle qu'il n'y a rien, absolument rien, dans mon contrat qui m'oblige à accepter ces jeux pervers. Allez, vous l'avez déjà fait. Justement, je n'aurais jamais dû accepter. Je regrette tous les jours. D'une exception, vous voulez faire une habitude. Allez. Maurice et le monde civilisé seront bien étonnés d'apprendre que le vieux lézard a dansé jusqu'au bout. Pitou, jouer ma mère. Oh. Ma mère qui geint, qui grogne, qui pleurniche. Je ne suis pas comédien. Vous allez le faire, Pitou, et tout va me revenir. Non. Vous allez le faire. Non, ma mère, non. Vous le faites. Non. Vous êtes ma mère. Bien, alors, à quelle époque sommes-nous? J'ai 27 ans. Si vous voulez. J'ai 27 ans et je vis à Paris, rive gauche, avec mon amant, le prince de ligne, dans le berceau d'un joli bébé. Maurice, notre petit Maurice. Tiens, à propos, où est-il, celui-là? À la plage. Il a emmené votre petite fille et le docteur Marot pêcher des crevettes. Parfait, nous ficherons la paix. Oh, silence! J'ai 27 ans et je suis presque heureuse. Ma mère vient me rendre visite. Elle est toujours jolie, hein? Cruellement jolie. Comment je vais, maman? Ah, mais vous ne voulez pas de réponse à cette question, hein? Vous êtes venue pour me gronder, vous plaindre et me jouer votre habituelle comédie de la mère malheureuse, hein? Non, madame, si oui, maman, pouvait... je sais, je suis une cruelle déception pour vous. Vous êtes une des femmes les plus séduisantes et les plus brillantes de Paris, c'est-à-dire du monde. Vous êtes devenue riche
et même respectable à force de mettre des ministres dans votre lit. Enfin, un à la fois, généralement. Hein. Madame... Oh, mademoiselle, maman, s'il vous plaît, je ne suis pas plus mariée que vous. Hein. Madame, je vous jure que je ne peux pas. Oh, mais vous pouvez, puis tout. Non. Vous pouvez tout, vous êtes plus douée que vous ne pensez. Et puis ce n'est qu'un jeu. Un jeu pour rafraîchir ma mémoire qui flanche sous ce soleil implacable. Sans mon ombrelle. Hein. Votre ombrelle, madame, mais voyons, il suffisait de me le demander. Et tout. Georges, ne me rendez pas la tâche trop difficile, s'il vous plaît. Par quoi commence-t-on ? À commencer. C'est toujours maman qui commençait. Oui, oui, mais que suis-je censé ? Non, ne pleurnichez pas. Vous êtes Judith Bernard, une des femmes les plus... séduisantes. Les plus... brillantes. De Paris, c'est-à-dire... du monde. Exactement. Non, non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas, non, madame. Allô, pas. Sarah. Oh. Sarah ? Oui, maman. Oh, oh, ne m'appelle pas maman. Tu as 27 ans. 26. 26, vous êtes sûre ? Oui, certaine. Allez, continuez. Sarah ? Tu dois avoir maintenant 26 ans. 25. Oh, pardonnez-moi, maman, l'habitude. À ton âge, il est temps que tu renonces au théâtre pour chercher un emploi. Oh, parfait, Pitou. Maman, ma vie ne regarde que moi, c'est même tout ce que je possède. Je te la laisse bien volontiers. Mais que devient... que devient... mon bébé. Oui, ce bébé chétif, là, dans ce berceau. Que va-t-il devenir ? Maman, le prince de l'île m'adore. Ah oui ? Mais ce noceur, ce belge, ce dandy belge, aimerait-il un petit bâtard ? Maman, je vous dis qu'il m'aime. Ta-ra-ta-ta ! Il l'a reconnu, mais il ne l'a pas adopté. L'aristocratie est toujours partante pour une partie de jambes en l'air dans les coulisses. Ça, pour la roucoulade, tu trouveras toujours le ténor, mais pour la romance, c'est une autre chanson. Ton prince changera d'avis dès qu'il rentrera dans sa famille. Il effacera les traces de ton maquillage sur son plastron. Il fera disparaître la tache de ton fils de son blason. Ah, bravo, Pitou. Et maintenant, j'ai gâché ma jeunesse, j'ai ruiné ma santé. Mais je sais, ne me bousculez pas.
J'ai gâché ma jeunesse. J'ai ruiné ma santé. Je me suis saigné aux quatre veines. J'ai tout donné pour offrir à mes deux filles une vie décente. Pour une fois, soyez honnête, maman. Et dites que vous avez tout donné pour Jeanne. Jamais pour moi. Pour que ma sœur Jeanne ait une vie décente. Et pourquoi pas ? Jeanne ne m'a jamais injuriée. Elle ne m'a jamais tenu tête. Elle, le pauvre bébé, a toujours besoin de plus de soins. Elle était si fragile. Toi, tu as toujours eu la force. Trop de force. Jeanne n'a pas ton tempérament. Dieu merci, d'ailleurs. Ni ton égoïsme obscène. Allons, Pitou, ne dites pas que vous n'y prenez pas plaisir. Bon, alors, madame. Si vous m'interrompez tout le temps, comment voulez-vous que je continue cette singerie? Je suis désolée, Pitou. Allez, continuez, maman. Continuez, s'il vous plaît. Je ne sais plus. Toi, Sarah, tu es le calvaire de ta mère. La Sainte Vierge aurait été encore plus malheureuse si elle avait eu une fille. Surtout une fille aînée. Si seulement tu m'avais respectée. Si seulement tu m'avais écoutée. Si je vous avais écoutée, maman, nous serions devenus, Jeanne et moi, deux parfaites répliques de vous-même. Bel assemblage sur une commode, une cocotte en porcelaine suivie de sa couvée, de riches objets de luxe qui attendent d'être admirés et tripotés par un digne propriétaire. Ah, quel destin! Tu oublies que tu parles à ta mère! Tu pourrais au moins m'offrir un rafraîchissement par une chaleur pareille. Mais servez-vous, maman! Aurais-tu du thé? Non, que de l'alcool. Bon! Ah, chérie! Ma chérie! Ah, merci. Tant pis. Ma petite Sarah, si Paris s'est quelquefois amusé de tes colères sur scène et dans ta vie privée, je ne fais pas partie des gens qui rient. Depuis ta naissance, tu t'es montrée capricieuse, fantasque, absurde, toujours à courir après un réalisable désir. Tu te trompes, surtout sur ta vie, sur tes hommes. J'ai essayé de m'en mêler, de corriger tes erreurs. Je suis même parvenu à te présenter des parties convenables, ce qui n'était pas facile. Oui, à 15 ans, vous m'avez jeté dans les bras de Monsieur Barens. Très convenable comme partie, hein. Un gros plein de poils. Jamais vu autant de poils sur un homme. Un mammouth en aurait été jaloux, il en avait jusque sous les ongles. Oh. Peut-être, mais quel compte en banque! Il fabriquait des tapis. Avec ses poils, sûrement. Non! Ça! En général, les médecins conseillent aux femmes dans la force de l'âge d'éviter l'alcool, les sucreries et l'excès du cheval qui pourraient leur briser la colonne vertébrale. Les miens me recommandent simplement d'éviter ma fille aînée. Oui, maman, chantez votre grand-père. Vous n'êtes venu que pour cela, sacrifice. Hein? Sacrifice! Sacrifice! Oui! Ai-je reculé devant les sacrifices? Aucun. Jamais. Mais à quoi bon? Impuissante, je te voyais devenir cette créature rebelle, échevelée, à la voix stridente, au profil dur et sémite. Ce qui n'est pas de ta faute, je te l'accorde. Tu pourrais être discrète. As-tu vu à quoi tu ressembles? Avec ta tignasse et ta maigreur? Une grosse éponge sur un bâton. Quelle idée de monter sur scène. Pourquoi cette passion pour ceux qui s'amusent? Pourquoi ce goût du vice? Et par contagion, entraîner ma pauvre petite Jeanne, mon bébé, mon ange, dans ton sillage empoisonné, pauvre petite, qui ne pourra pas y résister. Elle est si fragile, si tendre. Arrêtez, non, c'est bon. Notez vite. Oui, ma sœur est devenue alcoolique.
lorsqu'elle me disait « Sarah, il y a un manège qui roule derrière mes yeux », je savais qu'une fois de plus, elle était ivre morte. Ma mère m'en a voulu. Ta sœur n'a jamais bu avant que tu ne l'entraînes en tournée avec toi tes folles tournées sans fin à New York ou Dieu sait où. Je ne voulais pas l'emmener, mais elle a tellement pleurniché. Prétendu que j'avais peur qu'elle m'accompagne parce qu'elle était plus jeune et plus belle, que j'ai cédé. Alors, je lui ai donné quelques perruques, quelques répliques, quelques costumes pour qu'elle puisse se déguiser en actrice. Mais je ne lui ai pas appris à boire. Non. Je lui ai appris comment maquiller ses yeux sans sommeil et ses traits bouffis avec de la peinture. Mais je ne lui ai pas appris à boire. Maman, au contraire, je déteste la faiblesse chez n'importe qui. Il se peut que j'ai détourné le regard. Oui, que j'ai laissé faire. Oui, que j'ai même été heureuse que cela arrive. Oui, car je la détestais, cette sœur Jeanne. Je la détestais le jour même où elle est née. Mais c'est toi qui m'as donné cette maladie, maman. Toi qui a veillé sur Jeanne, hein, comme sur ton or, qui lui massait le visage avec de la crème fraîche, qui lui achetait les plus belles robes, qui lui choisissait les meilleures vacances. Elle, elle avait droit à tout. Moi, à rien. J'ai rêvé de l'impossible, puisque toi, tu ne rêvais de rien pour moi. J'ai lutté, bête et ongle, pour entrer au conservatoire, pour y rester. Je me suis hissée toute seule sur scène, tandis que toi, Jeanne, et tes messieurs élégants, rougissiez lorsque l'on mentionnait mon nom. Plus tard, vous vous moquiez. J'ai toujours vos rires dans mes oreilles. Vos sarcasmes, je les recevais sur ma peau comme des coups de cravache. Mais ils me faisaient avancer. On peut ressembler à une juive et être belle, disais-tu, en désignant ma sœur Jeanne. Ou on peut ressembler à une juive et avoir l'air d'une juive, ajoutais-tu en me regardant. Avec qui l'as-tu faite, cette Jeanne, maman, pour qu'elle te ressemble autant? Même nez, même peau, même bouche, coulée dans la même porcelaine. Moi, tu m'as donné que tes yeux, deux yeux. Le reste, il a fallu que j'invente. Car le public est comme toi, maman. Le terrible public exige la beauté. Alors, devant ma glace, chaque matin, chaque soir, j'ai fabriqué de la femme. Je me suis inventée. Une bouche parfaite, des dents alignées, une peau lisse, une poitrine généreuse veinée d'un bleu lumineux. J'ai nourri l'ogre, maman. Je l'ai servi selon son appétit. Il a une gueule immense, le public. Un estomac de pauvre, insatiable. Il veut tout, il lui faut tout. Et je lui ai tout donné. Mon cœur, ma santé, ma vieille chair constamment réinventée. Tout. N'est-ce pas, maman? N'est-ce pas, Pitou? Je suis lequel des deux, là? Pitou. Pendant plus de 50 ans, la Bernard a donné au public du monde entier les vibrations de son âme, les battements de son cœur, les larmes de ses yeux, interprétant plus de 125 rôles différents. J'ai planté le verbe français au cœur des terres étrangères. Je suis la prêtresse de la poésie. Qu'est-ce que c'est que ces idioties? Vous parlez de moi comme d'un monument national. Je ne fais que citer madame elle-même. Impossible. J'ai parlé de vibrations, moi. Mot pour mot, la semaine dernière. 7 août 1922, je l'ai classé à la lettre D pour délire verbal. Eh bien, je suis moins sotte que la semaine dernière. Bonne nouvelle, vous pouvez le classer à la lettre P sous la rubrique progrès. Bon, alors, où en étions-nous? Madame, c'est l'heure du dîner. Je n'ai pas faim. Moi, si. Eh bien, pitié. Allez, reprenez votre rôle. Oh, pitié, madame. Oh, mais vous êtes exquis. Délicieux lorsque vous faites la mer. Oui, magnifique. À l'exception de cette tache jaune sur le menton qui ne correspond pas du tout au personnage. Hein. Oh, je vous ai blessé. Je suis désolée. Pitou,
Vous me faites penser à ces petites bêtes que l'on trouve sur la plage à marée basse et qui, selon le docteur Marot, n'ont pas de système nerveux, bien qu'elles se tortillent en changeant de couleur dès qu'on les touche. Je vous aime beaucoup, Pitou. Merci, madame, je sais. Vraiment, beaucoup. Madame me dit toujours cela quand je n'ai pas envie de l'entendre. Ah, fait. Allez, reprenons. Où en étions-nous? Ah, oui, qu'est-ce que vous disiez, maman? Oh. Oui, maman? Oh, bah. Ta-ra-ta-ta, Sarah! Il est temps que tu m'écoutes! Tu as 26 ans! Non, j'ai 11 ans. 11 ans? Oh, allez, faut suivre, Pitou. Mais vous n'avez encore jamais eu 11 ans jusqu'ici, moi. Je ne sais pas comment je dois... Ma mère était la même à tous les âges. Je n'arrive pas à croire que vous ayez eu 11 ans. J'ai 11 ans, et vous, maman, vous avez 20 ans. J'ai été mère très jeune. Nous sommes en face d'un haut mur gris. Au-dessus des arbres, gris. Au-dessus encore, un ciel gris. Voilà. Ben, Dieu ne se fatigue pas toujours pour les décors. Hein. Ma mère me met au couvent, à grand champ. Elle se débarrasse de moi, de ma laideur, de mes colères. Elle ne supporte plus que ses amants rient et plaisantent avec moi entre deux portes en me faisant des chatouilles. Elle redoute la concurrence que je lui fais, à moins qu'elle ne la souhaite et qu'elle me retire pour me vendre plus cher un jour. Elle m'abandonne aux bonnes sœurs pour qu'elle me refasse le caractère. Rendez-la plus docile. Je l'entends toujours à travers mes larmes. Elle explique mon cas désespéré à Mère Sainte-Sophie, la supérieure du couvent. Elle geint, elle pleurniche. Oui, oui, rien ne m'est épargné. Elle parle. Elle parle. Elle parle. Elle parle. Elle parle de quoi? Je n'ai jamais cloîtré ma fille dans un couvent. Moi, je ne sais pas quoi dire, madame. Très bien, vous n'aimez pas ce personnage. Nous l'abandonnons. Vous ne faites plus ma mère. Merci, mon Dieu. Vous faites Mère Sainte-Sophie supérieure du couvent. Ah non. Si. Ah non, madame, non. Ce n'est pas... Non. Ce n'est pas... Ce n'est pas juste. Ah, c'est parfait. Mais... Pourquoi est-ce que je ne joue jamais un homme? Au couvent? Ben, le jardinier, le facteur. Mère Sainte-Sophie. Divine, lumineuse, éthérée, azuréenne. Ah! Elle boite un peu, mais de façon aérienne. Je ne pourrais pas refaire votre mère. Trop tard, elle est déjà partie dans son immense calèche noire. On entend le bruit des roues sur les pavés de la cour. La petite Sarah est seule, sanglotante, apeurée devant cette grande femme grise. Vous cherchez à me calmer, à me réconforter. Tout ce qui m'était familier sur terre a disparu en même temps que cette calèche noire. Vous prenez ma petite main qui tremble dans votre grosse main grise et rêche. Et vous me parlez d'une voix rauque. Le bruit d'une cruche lancée contre un mur de pierre. Vous me parlez. Belle-Ile-En-Mer, vous avez 11 ans. Oh, mais pourquoi commencez-vous toujours votre conversation en annonçant l'âge de votre interlocuteur, hein? On ne fait pas ça même dans les plus mauvais théâtres. Je ne suis pas dramaturge, madame. Mais que ferait Mère Sainte-Sophie dans ces circonstances? Je fréquente peu les bonnes sœurs. Réfléchissez. Recommençons. Je fais de mon mieux. J'ai 11 ans, ma mère vient de m'abandonner et je pleure toutes les larmes de mon corps. Hein? Bête bohème, Sarah! Vous n'avez pas soif, mon enfant? Soif? Oui, venez donc à la bargelle de ce puits. Bois un petit peu d'eau fraîche. Je n'ai pas soif, ma mère, j'ai trop de chagrin. Allez, consolez-moi, révérende mère. J'ai 11 ans et je pleure dans mon petit coin sombre. Oui, qu'est-ce que c'est? Vous pleurez dans votre petit coin sombre à ce que je vois. Nom de Dieu! Oh, madame. D'accord, je suis mauvais. Très mauvais, je ne peux pas. J'abandonne. Très bien.
J'abandonne aussi. Oui. Alors enlevez-moi ces papiers, hein. Brûlez-les, détruisez-les. Pas. À quoi ça sert, hein, ces coupures de presse? Ah non, pas ça. Pas ça, madame. Non. Oh non, madame, non, pas ça. S'il vous plaît, arrêtez, madame. Arrêtez. C'est ce que vous voulez de moi tous. Non, hein, non, je sois comme un vieux lézard, mais tu es impotent. Non, 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 non. Je laisse partir le peu de chaleur qui me reste encore pour accueillir le froid et l'obscurité. Non, madame. Jamais, jamais je l'abandonnerai. Je ne mangerai plus, non, je ne dormirai plus. Pas, mais je serai toujours là, vivante. Non. Romain. Tant de travail, mère. Tant de travail. Cette éventail, Pitou, était un cadeau. Hein? Il m'avait été offert dans les jardins du Trocadéro par l'empereur de Ceylan pendant l'exposition universelle. Il avait coûté 3 ans de travail à 32 prêtres bouddhistes. 32. Des milliers d'heures et de jours pour graver, teindre, peindre, ciseler, polir. 32. Il ne s'arrêtait que pour jeûner et prier. Il n'en fait que cela pendant 3 ans, puis tout. Ah oui, non, madame, c'est lui que je suis. Je suis désolé, madame. Je ne sais plus où j'ai la tête. L'air de la peau me donne des allergies. Chaque fois que j'éternue, ça me décolle le cerveau. Vais-je payer pour vos décollements de cerveau, plutôt? Très bien. Je ferai Mère Sainte-Sophie. Non, je vais fermer les yeux. Oh, bonne idée. Nous allons rentrer. Non. Et... Voulez-vous que je remette un disque? J'aimerais avoir mon ombrelle. Oh, oui. Tout de suite, madame. Elle sait qu'elle va mourir. Qui, madame? La boule qui râle là-haut. Elle va s'éteindre dans quelques petits milliards d'années. Elle le sait. Elle est furibonde. Elle se venge sur nous, la vieille salope. Elle est terriblement déçue de découvrir qu'elle n'est pas immortelle. Une boisson fraîche, madame? Bonne idée. Je vais me reposer en vous attendant. Mon Dieu, comment fait-il pour retrouver quelque chose dans ce fouillis? Presque tout se trouve à la lettre P. P comme Pitou, sans doute. Production, partenaire, parents, prix, première. La Comédie française, le mariage de Figaro, janvier 1873. Oh, mon Dieu, l'époque glaciaire, j'étais déjà là. Hernani, Cléopâtre, Froufrou, Phèdre. Décembre 1874. Tout Paris, c'est-à-dire le monde entier, vit, brûle et souffre avec moi pendant 2 heures. Autant dire l'éternité. Ah, inoubliable. Et bientôt. Qui s'en souviendra? Maintenant, c'est avec Pitou que je joue. Avec toi pour seul public. Pitou et moi, 2 enfants, crasseux et épuisés. Tout roule, la boule. Tout tombe dans la boue et l'obscurité. Avec tant de faiblesse et si peu de résistance. Un jour, quelqu'un passera et dira
Regardez, il y avait un astre ici. Autrefois. Madame. Madame. Votre ombrelle, madame. Et la boisson fraîche? La boisson fraîche. Madame avait très clairement demandé son ombrelle, mais une boisson fraîche, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ça ne fait rien. Où en étions-nous? La comédie française, Phèdre. Ah, non, je ne pense pas, madame. N'allons point plus avant. Oh, bonne idée, rentrons, madame. Demeurons, cher homme. Je ne me soutiens plus. Ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Hélas. Hélas. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quelle importune main en formant tous ces nœuds a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Noble et brillante auteur d'une triste famille, toi dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Pitou, vous ne m'écoutez pas? J'ai entendu la Phèdre de madame des milliers de fois. Mais la scène est nouvelle chaque fois que je la joue, Pitou. Madame connaît mon opinion sur les auteurs classiques. Racine, Corneille ne décrivent pas des gens normaux. Ils les prennent dans des asiles. De fous, enfin, ces hommes qui souffrent de dilemmes, ces femmes qui poussent des cris de gémisses en se jetant aux pieds de leur amant, des gémissants qui se tortillent, qui transpirent et qui finissent par se tuer en râlant des alexandrins pendant une heure. Dommage de se tuer quand on a d'aussi bons poumons, madame. Parce que personne ne s'est jamais jeté à vos pieds en gémissant, en gesticulant, en transpirant pour vous. Ah non, personne, madame. Mais vous m'étonnez. Moi, je suis fier de le dire. Personne. Vous n'avez jamais gémi, haleté, perdu vos boutons de culotte pour une femme. Oh, madame. Pourtant, vous m'avez avoué avoir été amoureux une fois. Oh, oui, peut-être. Comment s'appelait-elle, déjà? Ouf. Je ne m'en souviens pas. Oh, menteur, attendez. Lisette, hein? Oh, vous croyez? Lisette ou Louise? Lisette. Racontez-moi. Il n'y a rien à raconter. Pourtant, le mariage était fixé. Ça n'a pas marché. Non? Pourquoi? Vous ne vouliez plus? Si. Alors pourquoi? C'est ma vie privée, madame. Privée? Privée de mariage, oui. Oh, allez, pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi me faites-vous ça? Rien dans mon contrat ne m'oblige. Bon, allez, moi, je fais Lisette, hein. Oh, bah, s'il te plaît, Georges, hein, s'il te plaît, pourquoi tu veux plus te marier, hein? Tu m'aimes plus, t'as rencontré une autre femme, ta mère s'oppose à nos épousailles, elle a... Non, non, mais arrêtez! Mais arrêtez, mais c'est pas ça! Pas du tout! Mais elle n'était pas du tout comme ça! Enfin, c'est pas... J'avais 25 ans. Elle en avait 24. Elle s'appelait Lise. Et moi, Georges. Nous nous connaissions depuis l'enfance. Son père faisait du pain et le mien du fromage. C'est vous dire comme nous étions destinés l'un à l'autre. Eh bien? J'arrivais au mariage sans que... Enfin, je n'avais jamais... Vierge? À 25 ans? Et alors? À la campagne. Bon. Nous sommes moins précoces qu'au théâtre, madame. Ah, bien sûr, oui. Nous étions promis l'un à l'autre. Georges et Lisette, disaient les gens. Oh.
C'est inévitable. Seulement, vous avez tort. Pourquoi ? Je passais la voir tous les jours après mon travail. Un après-midi, alors qu'il faisait une chaleur inhabituelle, je la trouvais seule dans le jardin de ses parents, sous la pergola. Au milieu de la vigne qui nous chatouillait le cou. Oui. Il y avait une canicule à vous pousser aux bêtises. Lisette me regardait fixement. Moi, j'avais peur, tant je me doutais de ce qu'elle allait dire. Eh bien ? Où est le mal, Georges ? Nous serons mariés dans quelques semaines. N'en as-tu pas envie ? Ce n'est pas une question d'envie, Lisette, c'est une question de principe. Tu comprends ? J'ai le sens de l'ordre et de la tradition. J'ai besoin du prêtre, des cantiques et des fleurs. Elle se taisait en faisant une moue ravissante. Même à moi, mes paroles me semblaient niaises. Et alors ? Elle m'a pris par la main et m'a emmené au fond du jardin, sous les tilleuls, où il faisait sombre. Et chaud. Et là, elle a commencé à se déshabiller. Très lentement, avec beaucoup de sérieux, elle pliait chaque pièce de vêtement et la suspendait à une branche. Alors, je fais pareil. En pliant, en rangeant, en accrochant. On aurait dit que nous étendions la lessive. Et puis ? Bah, à un moment, nous n'avions plus rien à accrocher. Il a bien fallu se retourner pour se faire face. Et là, Lisette s'est mise à rire. À rire ? Oui, pas un rire de timidité, ni un rire nerveux. Hein. Non, un vrai rire. Un rire communicatif ? Pas tellement, non. Vous voulez dire qu'elle... Qu'elle riait de moi. Oui, madame. Mon Dieu, Pitou, quelle souffrance. Elle ne s'arrêtait plus. La colère a remplacé la gêne. J'avais envie de l'étrangler. Je voulais la tuer. Moi, je préférais me rhabiller. Je suis parti. L'avez-vous revue ? Une seule fois, lorsqu'elle est passée pour m'annoncer qu'elle rompait nos fiançailles. Mais pourquoi ? Georges, m'a-t-elle dit, jusqu'à toi, je n'avais jamais vu un homme. Je veux dire un homme tout entier. Pour te dire la vérité, je n'y avais même jamais pensé. Ce n'est pas de ta faute, Georges. Mais maintenant que je sais ce qu'est un homme, je ne peux plus prendre le mariage au sérieux. Et j'ai senti qu'elle allait recommencer à rire. C'était plus fort qu'elle. Et quelques années plus tard, quelqu'un m'a dit qu'elle était devenue illustratrice de contes pour enfants. Qu'elle dessinait très bien les animaux. Et les nains.
Ah, Pitou, je suis bouleversée par votre histoire. Moi aussi, madame, toujours. C'est vrai que c'est une histoire touchante, réelle, vécue. Comme Racine ou Corneille n'en raconterait jamais. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Non, je suis très émue. Alors que le monde entier pense que je ne suis plus qu'un vieux dragon à moitié mort qui lèche ses plaies, incapable d'un sentiment. Pitou, mais le soleil se couche. C'est une habitude qu'il a le soir, madame. Non, il ne se couche pas. Il se lève ailleurs, au Japon, en Mandchourie. J'ai faim. Peut-être pourrions-nous rentrer. Le soleil est l'un de mes parents, le saviez-vous, Pitou? Le reste du monde somnole, mais pas le soleil. Pas moi. Nous n'avons pas besoin de dormir, nous. Voulez-vous que je vous prépare une bonne tisane? Allez jusqu'au bout. Finir. Accomplir. Je n'ose pas fermer les yeux. Il se peut que je ne les ouvre plus jamais. Plus sur ce monde-ci, en tout cas. Non. L'Amérique. L'Amérique avant le dîner? Ah, l'Amérique toujours avant le dîner. Hein. Sur la digestion, c'est trop lourd. L'Amérique, la poussière, les dollars. Et là, New York, la Virginie, le Texas, la Californie, les Indiens. Les Indiens. Les locomotives. Les locomotives. Nous sommes dans un wagon américain, au milieu des rails, des ponts, des tunnels et des étoiles. Toute ma troupe dort depuis longtemps. Même Jeanne, qui tient son biberon de jean serré contre elle. Mr. Jarrett, l'impresario, les a tous envoyés dans leur couchette. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez besoin de repos. Charlatan de mes deux. Vous devez jouer demain. Moi, je suis là, sur ma couchette, les yeux ouverts. Il y a quelqu'un qui dort à côté de moi, mais je n'arrive pas à me souvenir de qui il s'agit. Je n'ai eu de relation fidèle qu'avec mes créanciers. Sans importance. Je suis nue, Ève au jardin d'Éden, accroupie devant la fenêtre. Je regarde défiler devant moi les lumières des villes miniatures et des fermes de poupées. De temps à autre, des cow-boys miniatures sur des chevaux miniatures s'assemblent le long des voies pour voir passer, crachant du feu et de la poussière, le train privé de Miss Sarah Bernardt. Oh yeah, Sarah Bernardt, la femme la plus vieille du monde. Elle traverse les États-Unis et se fait plus de fric que Billy the Kid. L'Amérique. Le président Wilson, le président Roosevelt, le président McKinley, si mignon, et qui a été descendu à coups de revolver. Thomas Edison, qui me parle de Shakespeare et de l'électricité, des forces de la nature, comme vous, Miss Bernardt. On me surnomme la juive errante. Je joue sans cesse la dame aux camélias. Les Américains adorent me regarder mourir. Hein. Camille, ils l'appelaient, la dame aux camélias, Camille. J'avais beau leur dire qu'elle s'appelait Marguerite, eh ben, ça ne les dérangeait pas. Bon, ben, les Américains, madame. Monsieur Jarrett, l'impresario, Camille, quel foutu tirir. Jamais vu une putain de tuberculeuse qui ramasse autant de pognon. Hein. À chaque fois que je perdais un poumon, les théâtres étaient pleins à craquer. Madame. Assieds-toi près de moi, mon Armand. Écoute-moi. Tous ces mois où tu étais parti, j'étais en colère contre la mort. Mais la mort et moi, nous pouvons redevenir amis, puisqu'elle m'offre ces instants si précieux avec toi. Toi, le seul homme que j'ai vraiment aimé. Est-ce que tu me comprends, Armand? Dis-moi que tu me comprends. Oui, oui, Marguerite, je comprends. Oh, comme c'est étrange. Je ne souffre plus. Je sens la vie qui rentre en moi. J'éprouve un bien-être que je n'ai jamais éprouvé. Ah, oh, je vais vivre. Comme je vais vivre, comme je suis heureuse. Repose en paix, chère Marguerite. Il te sera beaucoup pardonné, car tu as beaucoup aimé. Pff, rideau. La foule en délire. Bravo, madame. Vous mourrez toujours très bien. Bravo, Pitou. Vous vous souvenez même des répliques de Nichette? Madame a sans doute oublié qu'un soir, à Kansas City, la sœur de madame était tellement saoule
que madame m'a demandé de mettre une perruque et de jouer le rôle de Nichette. Oui, oui, madame s'en souvient. Finalement, j'ai tellement rempli Jeanne de cet infect café noir américain qu'elle a pu monter sur scène et que nous avons évité un innocent public vos débuts d'acteur. Non, ben, je remercie madame. Je voulais simplement rendre service, madame. Pitou, il fait presque nuit noire. Oui, ah. Êtes-vous prête à dîner? Non, il faut résister à la nuit qui tombe. J'ai une idée. Oh non! Oh non! Mr. Jack, mon impresario. Mais je ne saurais pas, madame. C'est un autre soir, dans le train, près de Boston, nous sommes bloqués, un troupeau de vaches broute sur la voie. Des vaches, des bisons, plutôt. Mr. Jack a organisé tous mes spectacles en Amérique. Il a pas son pareil pour prolonger une tournée tout en diminuant les cachets. Non, mais ne cherchez pas, c'était il y a des siècles, il est mort depuis. Mais justement! C'est un énorme Américain né avec une moustache et un cigare qui pue. Alors, j'essaie de me reposer dans mon wagon. De l'oublier. Eh ben, va pas me laisser tranquille, hein, le vieux bandit. Il va venir grogner, cogner contre ma porte comme un buffle enragé. Sainte Marie, Mère de Dieu, serait-ce possible que ce soit à cette heure-ci, Mr. Jarrett, grognant et cognant contre ma porte? Poum, poum, poum. Poum, poum, poum. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est moi, madame. C'est moi. Miss Bernard, Mr. Jarrett, Mr. William Edouard Jarrett. Oh, je suis déjà couché. Bonne nuit, Mr. Jarrett. Très bien. Bonne nuit, Miss Bernard. Faites de bons rêves. Pitou Madame. Oh, mais il est essentiel que je parle à Mr. Jarrett cette nuit. Vous lui avez très clairement demandé de s'en aller, madame. Mr. Jarrett ne s'arrête pas pour si peu. Il n'a aucun savoir-vivre. Il doit me parler. Il fulmine. Bordel de merde, Miss Bernard. Vous me prenez pour un gigolo? Pour un de ces lèches-culs d'acteurs prêts à grimper sur n'importe qui pour obtenir un rôle? Vous croyez que je fais partie de votre collection de queues? Oh, ça! Ça non, madame! Ça, je ne pourrais jamais parler à madame de cette façon! Non, mais ce n'est pas vous, Pitou, c'est Mr. Jarrett! Vous contentez-vous de saupoudrer délicatement vos phrases de putain, bordel, putain d'actrice, putain d'hôtel, bordel de putain d'américain? Tel était son style, hein, et son unique charme. Bah, je ne suis pas obtus, je comprends très bien le point de vue et la philosophie de Mr. Jarrett, mais lorsqu'il s'agit de prononcer certains mots comme pute... Ça, non, même pour vous, je ne peux pas le faire, madame. Vous rendant la version expurgée. S'il vous plaît. Oui. Frappez de nouveau, Mr. Jarrett, frappez encore. Poum, poum, poum. Oh, poum, 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 et poum, et bien, paf, et là, paf, paf, et paf. Voilà. Voilà. Que voulez-vous? Ce que je veux, je sais pas. C'est à propos d'argent. Hein? Hein? Non, ça n'a rien à voir avec l'argent, Miss Bernard. C'est à propos de Darwin. Darwin. Mon petit Darwin, mon petit singe du Congo, a-t-il encore grignoté vos chapeaux? Non. Non, bisibouzou, mon perroquet. Rien à voir. Avec vos animaux. Alors quoi, crachez le morceau, Mr. Jarrett, et quittez cette chambre, de quoi s'agit-il? Miss Bernard, pute, saperlipopette. Vous savez très bien ce qui m'amène. Je n'en ai pas la moindre idée, à moins que vous ne soyez venu me torturer au sujet de ma sœur. Non, pas. Et pire, de mon mari. Yeah! Votre mari. Justement, parlons-en. Mr. Jarrett, cessez de persécuter mon mari. Moi qui lui avais promis qu'il serait heureux au théâtre. Non seulement vous avez rechigné à l'engager, mais maintenant vous voulez lui supprimer tous ses rôles? C'est le meilleur Armand Duval avec lequel j'ai joué. En tout cas le plus beau. Avez-vous quelque chose contre les Grecs? Miss Bernard, c'est notre 5e tournée américaine. Et à chaque fois... Vous avez emporté un bagage masculin différent. Et alors? Alors, je ne me suis jamais plaint auparavant, parce qu'auparavant, vous n'avez jamais épousé votre bagage. Bien sûr, je ne pouvais pas, je n'étais pas amoureuse. Oh. Je n'ai jamais éprouvé l'amour que j'éprouve aujourd'hui. Même un Américain doit pouvoir comprendre ça. Je ne parle pas d'amour, Miss Bernard. Je parle business, argent, dollars. La seule raison de venir jouer dans ce trou perdu, votre mari est anti-commercial. Je ne parlerai pas de ses défauts d'être humain. Je n'ai pas de temps à perdre. Je vous parle
de l'acteur qu'il n'est pas, de son texte qu'il oublie, de ses places en scène qu'il ignore, du fait qu'il se cogne et qu'il trébuche dans les décors, je ne sais plus à quoi attribuer cela. À son inexpérience ou à son penchant pour la morphine? Depuis quand se drogue-t-il? Qui vous a raconté ces horreurs? Je vous conseille de le poser dans un bateau pour la France et de le faire rentrer dans un hôpital où l'on soigne les gens comme lui. J'arrête. Vous abusez de votre position. Comment osez-vous accuser Jacques, un homme de bien? D'ailleurs, qu'est-ce que vous connaissez, vous, au gentleman? Je suis fière de porter son nom. Et d'ailleurs, désormais, vous êtes priée de m'appeler Madame Damala. Le public paye pour voir Sarah, Bernard. Pas Sarah Damala. Et encore moins Monsieur Damala. Ah, vous êtes inspiré, Pitou. Vous êtes encore plus mufle et grossier que ce gros adversaire. Non, mais Bernard, pas de faux fuyants. Réglons une fois pour toutes cette putain de question. Pitou. Et votre putain de bordel de Pitou ne peut pas vous aider. Espèce d'emmerdeuse patentée. Je veux une putain de réponse à ma putain de question. Et vite, bordel de merde. Je ne vous dois aucune réponse. Mon cœur, mon âme et même ma courtoisie, tout vous est désormais fermé. Rien à foutre de votre courtoisie et rien à foutre de votre âme non plus. Sauf si c'est elle qui monte sur scène et qui prend les dollars dans les poches de ces connards d'Américains. J'ai soif. J'ai la gorge aussi sèche qu'un canyon. Vous n'avez rien à boire? Rien. Bordel! Miss Bernard, au prix où je paye vos putains d'exhibitions, vous pourriez quand même m'offrir un whisky. Je veux que vous me foutiez dehors, ce dame-là, qui n'a pas plus de cœur que de cervelle, même s'il présente très bien. À quoi sert d'avoir l'allure d'un gentleman quand on a l'esprit d'un whistiti? Mr. Jarrett, ne prenez pas le risque de me demander de choisir entre vous et Monsieur Damala. Jacques est mon mari, l'homme que j'aime. Je me fiche de ce que vous pensez tous. Il est, il était, et il sera toujours le seul. C'était Jeanne qui me l'avait présenté à Paris. Jacques Aristide Damala. Il avait la barbe la plus parfaite que j'ai jamais vue. Des yeux de princesse égyptienne. Tous les Grecs sont beaux à 30 ans. Je l'avais déjà remarqué, mais c'est plus tard que je suis tombée amoureuse. À Saint-Pétersbourg, au casino. À l'époque, il gagnait toujours. Il était heureux, sans produits chimiques. Il avait appris à mon fils comment tricher aux cartes. Maurice l'a quand même détesté. On m'a dit quelques années plus tard que Jeanne et lui, enfin, avant que je ne le rencontre, que c'était Jeanne qui l'aimait vraiment. Quand nous sommes jeunes, il nous faut leur corps, leur ventre plat, leurs grands pieds, leurs poils sur la poitrine qu'on enroule entre les doigts. Plus tard, nous apprenons à apprécier d'autres qualités d'eux. Leur cerveau, s'il existe. Une atmosphère masculine faite de fumée, d'honneur, d'alcool et d'insolence. Plus tard encore, et c'est là que je suis.
Nous revenons à leur corps. N'est-ce pas, maman? La vieille chair soupire et essaye d'attraper quelque chose de jeune. Jacques. Jacques. Madame. Ah, pas madame. Jacques. Cela me vieillit. Et puis c'est insultant de la part d'un amant. Encore plus de la part d'un mari. Je me suis laissé dire que les meilleurs amants du monde étaient les Grecs, juste après les Suédois. Mais qui a jamais pu prendre un Suédois au sérieux? Oh, Jacques, à quoi penses-tu? Tiens, devine mon âge. Je te donne une indication, je n'ai jamais connu Louis XIV. Allez, Jacques, devine mon âge. Madame a 75 ans. Oh, sérieusement, Jacques? Madame a 35 ans. J'ai 38 ans. Ce n'est pas possible. Je sais, je ne les fais pas. J'ai toujours pris soin de ma peau. Des crèmes, pas de soleil. Les uniques choses valables que ma mère m'ait apprises. Une femme ne doit pas se consumer en de trop brèves années. Si une femme veut durer, cela dépend d'elle. Sois gentil avec moi, Jacques. La gentillesse, ça aide à durer. Mais nous essayons tous d'être gentils avec vous, madame. Mets tes bras autour de moi, Jacques. Et serre. Maurice et les autres. Ne fais pas attention à Maurice. Ce n'est qu'un enfant, Jacques. Donne-lui du temps. Il apprendra à t'aimer. Si nous rentrions pour voir s'ils en ont attrapé. Attrapé quoi? Des crevettes. De quoi parles-tu, Jacques? J'ai toujours du mal à te suivre. Dis-moi quelque chose de fort et de précis. Répète-moi ce que tu m'as dit la première nuit. Jacques. Jacques. Pitou, madame. C'est Pitou, madame. C'est Pitou, madame. Pitou. Bon. Votre petite fille va bientôt vous réclamer. La famille a prévu un feu d'artifice sur la plage en votre honneur. Nous devrions rentrer. Entrez-vous. Et vous? Vous n'allez pas vous sentir mal? Je me sens toujours bien lorsque je suis seule. Mon ombrelle. Laissez-moi mon ombrelle, imbécile, sinon je vais finir mouchetée comme une truite. Il fait nuit, madame. Laissez-moi mon ombrelle. Il y a une lune impitoyable ce soir. Vous êtes parti, j'espère. Non, madame.
J'ai tout jeté par terre. Les oreillers, les couvertures. Je ne supportais plus rien entre nous. Ses beaux yeux se fermaient. Tu dors, Jacques? Non? À quoi penses-tu? À rien. Il faisait une chaleur épouvantable dans cette chambre sans air et sans lumière de la rue d'Antin. Le parquet était jonché de bouteilles en verre vidées de leur morphine, de leur cocaïne, de leur opium. Tu avais dégoûté et lassé tout le monde, sauf moi. Ton corps, profané par des milliers de piqûres d'aiguilles, était toujours mon objet de culte. Tu devenais si fragile que cela te rendait agressif. Alors, Madame Sarah, tu veux toujours rentrer dans mon corps? Vivre à l'intérieur de moi? Oui. Le soir où tu es mort, je te tenais contre moi et je regardais la voûte obscure pour voir ton âme se faufiler entre les étoiles. Saloperie d'étoiles. À l'époque, je ne savais pas qu'elles mourraient, elles aussi. Qu'elles étaient déjà occupées à mourir. Vieille pute, étincelante et trompeuse. Pas meilleure que moi. Et pas plus immortelle. Madame, tout le monde vous réclame. Je sais. Monsieur Maurice m'a donné l'ordre de vous faire rentrer, que vous le vouliez ou non. Qui explose et qui meurt, déjà? Feu d'artifice. Madame. 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 Bordel! Miss Bernard, c'est ça que vous appelez du repos? Retournez dans votre wagon! Tout. Rôder encore à 5 heures du matin comme une vieille marcheuse, mais comment diable arrivez-vous à rester séduisante en dormant aussi peu? C'est un putain de merde de miracle pour moi, sauf votre respect, madame. Arrêtez, n'essayez pas de m'amadouer. Je ne suis pas une petite fille qu'on essaye d'endormir en lui promettant une longue histoire pour le lendemain. Je sais que demain est une illusion.
Je veux comprendre ce que je fais sur cette planète. Je vais mourir bientôt. Impossible. Si. Pas vous. Si. Vous, les hommes, vous mangez, vous dormez, vous faites l'amour, et un beau jour, vous tombez raide mort sans rien avoir deviné. Nous, les femmes, nous sommes plus soupçonneuses. Je vais mourir très bientôt. Vous avez promis à votre petite fille de vivre au moins jusqu'à 103 ans. Je ne tiens jamais mes promesses. Qu'est-ce que vous avez là? Votre boîte à maquillage? Oui. Bon, remets le cul de sale, donnez-la-moi. Bah, allez pas. C'est tout ce qui me reste pour affronter les événements. Il faut que je me prépare au cas où elle aurait l'audace de reparaître ici et de m'affronter. Qui, madame? La boule. Qui meurt là-haut, qui est toujours souriante. Je ne veux pas qu'elle me trouve dans cet état. 5h du matin, je vais réveiller Monsieur Maurice. Monsieur Maurice, tranquille, il n'a pas été fichu d'attraper des crevettes. Oh, on vous les a servies au dîner, vous les avez refusées. Trop petites. Cessez de me regarder comme ça, c'est insoutenable. On dirait Georges Bernard Shaw. Cette gueule de rat végétarien avait le même air que vous. Au premier rang, lorsque j'ai osé jouer Hamlet à Londres. Immonde critique. Des insultes dans les journaux. Des jappements d'anglais effarouchés comme si Jeanne d'Arc était montée sur scène. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Que j'allais jouer Ophélie ou le Fossoyeur? Quel est le rôle principal dans Hamlet? Hamlet, alors? Ils pouvaient pas me faire confiance, hein, Georges Bernard Shaw. Confiance? Elle t'a bien fait confiance à toi, Pedro, hein? Pedro. Ah, tu es là, Pedro. Tu oses encore te montrer, espèce de porc brésilien sans cervelle. Tu croyais peut-être que j'allais t'oublier? Ah oui, Pedro, le machiniste. Machiniste? Ah, tu as l'audace de te faire appeler machiniste? Tu n'avais qu'une seule chose à faire, Pedro, pendant tout le spectacle, une seule. Placer mon grand matelas sous les remparts du château Saint-Ange pendant la Tosca. Quand je ne suis pas Marguerite qui perd ses poumons dans la Dame aux Camélias, je suis Floria Tosca qui se jette dans le Tibre du haut d'une prison forteresse. Triple andouille! Mais naturellement, les remparts sont en carton et le Tibre est rempli de duvet. Mais aucune mort ne m'effraie, Pedro. Je suis une virtuose de la mort, Pedro. Une acrobate. Mais il me faut mon matelas! Non, non, madame, pas ça. Mais c'est pas ça. Alors, la signora Bernard est tombée de 3 mètres de haut sur le sol, en bois dur. Elle est arrivée sur le genou droit. La signora Bernard, on a baissé le rideau, on a applaudi, on a lancé des hurrahs, des chapeaux. Et la signora Bernard, comme une poupée cassée sur le sol, en bois dur, a vu ce crapaud de machiniste brésilien qui ronflait tout son sou dans son coin puant 6 mètres plus loin sur mon matelas. Alors, la signora Bernard s'est ramassée pour venir saluer. Une fois. Deux fois. 20 fois. Tu te souviens? On en a même ri ensemble, Pedro. 10 ans. 10 ans à consulter tous les médecins. 10 ans à me faire masser, brûler, congeler, plâtrer. Et maintenant, que peut-on faire, docteur? Docteur. Que peut-on faire? Docteur. Non, madame. La vérité, je suis un être rationnel, quoi qu'on ait pu vous dire. Il va falloir me couper la jambe, c'est cela? Bon. C'est cela, n'est-ce pas? Oui. Quand? Eh bien... Le plus tôt sera le mieux, je suppose. Vous craignez que l'infection ne se propage? Oui. Où allez-vous couper? Toute la jambe? Au-dessous du genou? Au-dessus du genou? Oh.
va falloir que j'envoie un télégramme à Georges Bernard Shaw. Viendra en Angleterre saison prochaine, stop. J'aurai le roi lire, stop, avec une jambe de bois, stop. Docteur, je veux être opéré, vite. Madame, vous avez 71 ans. Bien justement, j'ai 10 ou 15 ans encore à vivre. Pourquoi voulez-vous que je souffre et que je reste inactive si vous me refusez? Je me flanque une balle dans le genou, faudra bien alors m'amputer. Je me balaye de ma jambe, qu'elle court, où elle voudra. C'est la guerre, docteur, on coupe des jambes agiles à des garçons de 20 ans. Et vous, vous me refuseriez cela? Décrivez-moi cette chose. Quoi? L'amputation. Non, madame, je vous en supplie, un médecin n'est pas... J'ai besoin de voir la vérité en face, même si elle est dégoûtante, je ne bougerai pas. Pourquoi? Et vous ne bougerez pas non plus, tant que vous ne m'aurez pas tout dit. Enfin, vous ne souhaitiez tout de même pas, si. Non! Si. Non. Maintenant, les yeux ouverts, sans mélodrame. Dans ce cas... Dans ce cas... Rapport du médecin militaire, lieutenant-colonel de Nusset. Attaché à l'hôpital militaire de Bordeaux le 14 février 1915. Jour de la Saint-Valentin, on ne le sait pas, mais il n'y a pas de meilleur jour pour se faire couper une jambe. Les détails, tous les détails. Étant donné le risque de gangrène, nous avons pratiqué sur Madame Bernard une amputation ouverte, dite à la guillotine. Très bien, continuez. Nous avons pratiqué l'incision circulaire habituelle, 7 cm, au-dessus du genou droit. Excellent. Continuez. Après avoir incisé la peau et les tissus sous-cutanés, nous avons attendu les 45 secondes rituelles pour qu'ils se rétractent. Ensuite, j'ai attaqué les muscles. Continuez. Nous avons scié l'os, puis ligaturé les nerfs et les vestiges. Et les vaisseaux. Et les vaisseaux sanguins. Continuez. Jusqu'ici, c'est un sans faute. Nous avons retiré la partie infectée du membre en laissant un moignon qui va... Mais pourquoi est-ce que je fais cela? Je vous ai engagé pour m'aider. Vous aidez à quoi? À souffrir? Tenez, je vous l'avais cassé. La lettre d'un Américain. Lorsqu'il a appris qu'on allait vous amputer, il était prêt à vous l'acheter, votre jambe. Combien? $10,000. Mais dommage que j'ai su trop tard. Comment suis-je? Oh. Éblouissante, comme toujours. Oh, vieux menteur. Vous ne trouvez pas que je ressemble à quelqu'un, non? Regardez. Copie conforme. Non, je ne vois pas, madame. Mais si, je suis son vrai sosie. Non, désolé, je n'en ai pas la moindre idée, madame. Mais ce mime affreux qui jouait dans un théâtre délabré où régnait une odeur de clip, celui qui faisait « Pierrot revient du pays de la mort ». Vous vous souvenez, maintenant, c'était dans les années 1860. Je n'étais pas né, madame. Vous en aura parlé? Non. Alors imaginez. À 5 heures du matin, je n'imagine plus, madame. N'ai plus rien du tout, alors dans mon lit. Pierrot revient du pays de la mort. Il se souvient avec précision que personne ne l'a jamais aimé. Personne. Ni aimé, ni compris. Alors, il veut mourir de nouveau. Il veut rejoindre les morts, Pierrot. Arrêter de craquer, de se déplier, de désirer. Il veut se fondre dans la boue et l'obscurité. Mon Dieu, je t'en supplie. Donne-moi l'oubli. Notez. Je regrette tout. À aucun moment de ma vie, je ne me suis sentie bien. Pas de douceur, pas de chaleur, pas de bonheur. Pas un seul instant qui justifie cette existence. Rien. Ni pour moi, ni pour les autres. Nous rampons tous dans le même marais immonde. Notez.
Non. Not. Non. Pourquoi? Parce que je savais que depuis des mois, vous vouliez en arriver là, madame, et que tous les jours, j'ai essayé de l'éviter. Not. C'est ma dernière réplique avant que le rideau ne tombe. Rien ne vaut la peine d'être vécu. Et le soleil a raison de se brûler le plus vite possible. Not. Je refuse. Ce n'est pas une chose qui peut se permettre de refuser. Tu n'es qu'une petite bête sans colonne vertébrale et sans âme. Assieds-toi et crie. Non. Les pensées négatives ne sont pas pour vous. Vous êtes la joie de vivre, madame. L'énergie, le bonheur, l'enthousiasme. Ce n'est pas vous qui me parlez en ce moment. C'est l'heure, c'est le climat, c'est l'air marin, c'est... Je ne sais quoi, mais pas vous. Pas Sarah Bernardt. Vous êtes forte, increvable. Vous ne vous découragez jamais. Les échecs vous font rire. Je ne suis que elle. Pas vous. Vous vous protégez des insultes par le mépris. Vous dites toujours que le mépris est plus reposant que la haine. Mais rien d'autre que la mort ne peut vous abattre. Vous n'avez pas droit au désespoir. Pas droit au désespoir? Non. Vous me l'avez dit vous-même. Vous êtes parente avec le soleil. Vous êtes un soleil. À quoi sert le soleil? À nous faire oublier que l'univers est obscur. Alors c'est moi qui vais l'écrire. Je ferai ça aussi. Je le ferai comme j'ai toujours tout fait. Seul. Et tu resteras. Et je ferai quoi? Tu resteras, même dans la boue et l'obscurité. Et je ferai quoi? Tu seras témoin. Non, madame. Vas-tu? Non. Lâche. Non. Oh non, mon Dieu. Non, mon Dieu. Non, non, mon Dieu. Non. Oh non, mon Dieu. Non. Madame. Je suis là, madame. Je suis là, madame. Pitou. Je suis là. Je suis là, madame. Madame. Madame Bernardt. Il ne faut pas que... Restez, madame. Restez, madame. Restez. Restez, madame. Il peut pas être... Pardonnez-moi, madame. Je suis ridicule. J'ai cru à l'instant que vous étiez... Je sais ce que vous avez cru. Je suis restée longtemps absente. Oui. Non, je ne sais pas, mais... Oh, mon Dieu, mais comment ai-je pu vous laisser seule? Comment vais-je expliquer ça, monsieur Maurice? Je n'aurais jamais dû vous quitter. Je suis responsable de vous. Oh, personne n'est responsable de moi. Plus à mon âge.
Ah, Pitou. C'était magnifique. Partir, puis revenir. Plonger dans l'obscurité et remonter à la lumière. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, mais cela valait la peine. J'ai froid. Cet ours, c'est moi qui l'ai tiré. Le savez-vous, Pitou? Je sais. Et le crocodile dans le salon. Aussi, à Paris. À Paris? Il y a des crocodiles à Paris. Plus qu'on ne pense. Hein. Pourquoi l'avoir gardé entier? Vous qui aimiez tant les sacs et les chaussures, il fallait le découper. Hors de question. Valeur sentimentale. J'avais un petit chien que j'adorais, Minuccio, lorsque j'ai adopté Dorabelle. Dorabelle? Mon crocodile. Ah ouais, oui, il y a des crocodiles femelles. Plus qu'on ne pense, hein. Et Dorabelle ne faisait que 20 cm, elle barbotait très gentiment dans une des baignoires, puis elle a grandi. Ça lui a changé le caractère, elle est devenue moins aimable et un jour, elle a gobé Minuccio. Non! Là, vous comprenez, j'ai dû abattre le crocodile. Je l'ai fait entailler et il trône maintenant dans le salon. C'est devenu le tombeau de Minuccio. Ah oui, évidemment. Voilà. Oh, mon Dieu! Ah oui. Éblouissante, comme toujours! Oh, Pitou, je vous ai mis un peu de désordre. Un peu, oui. Je suis désolée. Je vais chercher le docteur Marot. Un cognac me ferait plus d'effet. Un cognac? À 7 heures? Ah, mais je ne divise plus la vie en heures, Pitou, seulement en siècles. Au 19e siècle, j'étais sobre. Au 20e, je sirote. Puis-je vous suggérer plutôt un vin cuit avec vos comprimés? Cognac et tout. Tout de suite. Rien de pire qu'un cognac sur un estomac vide. Ma mère disait toujours à mon père, Gaston, si tu veux te tuer, pourquoi ne pas prendre directement de l'arsenic? Non. Mais votre mère était une idiote, Pitou? Oh, madame. Non, pas. Oh, mon Dieu. Oh. Maintenant, il y a une chose que je dois savoir. Je vous écoute, madame. Non, pas vous. Il n'y a qu'une seule créature sur Terre capable de comprendre ce que je veux savoir. Et c'est à elle que je voudrais parler. Qui est-ce, madame? Oscar Wilde. Ah, mieux, madame, s'il vous plaît. Vous m'avez pourtant reproché de ne vous proposer que trop rarement des rôles d'hommes. Ben, il y a homme et homme, madame. J'aime encore mieux incarner une femme qu'un Oscar Wilde. Mon Dieu, si vous entendez. Bon, ben, Oscar Wilde est mort, madame. Mort, Oscar? Vous, sûrement pas. Ben, les journaux l'ont écrit, madame. Rago, médisance. Je me souviens même que madame a pleuré. C'est vrai? Ah. Elle a écrit sa salomée pour moi, en français. Là, j'aurais volontiers d'ailleurs cette pièce si on lève la censure. Mais une Salomé Kudjat qui se fait servir la tête coupée de Jean-Baptiste sur un plat en argent, ça permettrait à Georges Bernard Shaw de dire qu'il s'agit d'une pièce de garçon bouché. Hein. Bref, Pitou, non seulement vous dites du mal d'un poète, mais aussi d'un mort. Deux péchés capitaux. Sûrement pas aussi capitaux que ceux auxquels Oscar Wilde s'adonnait. Oh, Pitou, bah, c'était aussi dans les journaux. Mais ne me parlez pas des journaux. Ils ont raconté que j'avais des rapports amoureux avec Suzy, ma tigresse. Pauvre Suzy, comme si une chose comme ça avec moi pouvait une seconde l'intéresser. Et n'oubliez pas
Ils ont aussi prétendu que je couchais toute nue dans un cercueil d'acajou. Et même pas toute seule. Hein. Vous l'avez fait, madame? Non. Ah, si, vous me l'avez raconté vous-même. Je n'ai jamais dit acajou, j'ai horreur de l'acajou. C'était un cercueil en bois de rose. La dernière fois que j'ai rencontré Oscar Wilde, il se trouvait sur une plage déserte face à la Méditerranée. L'endroit parfait pour parler de choses importantes. Je me suis approchée doucement. Il était assis sur une chaise longue. Assis. Il ne s'attendait pas à me voir. Son regard ne quittait pas la jeunesse provençale qui s'ébrouait dans les vagues. Je suppose que la jeunesse provençale était essentiellement masculine. Quelle différence cela fait-il? Pour Monsieur Wilde, une différence considérable. Fatigué et malade, Oscar était venu à Saint-Tropez réchauffer ce corps usé qui avait fait scandale et fuir ses créanciers. Bonsoir, Oscar. Oh, my dear Sarah. Oh, Sarah la divine. Vous êtes la dernière personne sur Terre que je m'attendais à rencontrer. Vous savez bien que j'adore surprendre le monde. Nous deux, nous avons fait cela toute notre vie. Ah oui. Oh, protégez donc votre peau, Oscar. Le soleil la tache. Protéger ma peau? Pourquoi faire? La peau d'un écrivain, c'est son style. Et je n'écris plus. Promettez-moi de ne pas mourir, Sarah. Jamais. C'est une chose à laquelle je vais réfléchir. Imaginez la nouvelle. Sarah Bernardt et Oscar Wilde vous annoncent qu'ils ont finalement décidé de ne pas mourir. Voilà de l'inattendu, du sensationnel. Et ça pourrait en attrister plus d'un. Comment était-ce en prison, Oscar? La chambre quelconque. La nourriture quelconque. Le personnel quelconque. Il n'y avait que moi qui étais chic. Est-ce que ce fut horrible? Horrible, ennuyeux surtout. Il paraît que c'était pour mon bien, comme tout ce qui est ennuyeux. Lorsque j'ai su que l'on vous avait enfermé, Oscar, j'ai pleuré pour vous. Vraiment? La divine Sarah a pleuré? Pour moi? Alors, mes juges avaient raison, cela valait la peine. Oscar, il y a une chose que je dois savoir. Je vous écoute. Le 19e siècle. Oui. Les gens qui nous succéderont, pourront-ils comprendre notre siècle? Pourront-ils imaginer notre joyeuse ignorance? Non. À présent, ils se saoulent d'informations sans importance. Ils lisent les journaux. Pas les poètes. Vous souvenez-vous, Oscar? La lueur des bougies, l'intimité, les vêtements inutiles, le caviar qui sort du ventre du poisson, les chansons qui demandent des hommes pour les chanter, les voyages qui sentent le crottin, la sueur, le tabac, les chambres froides sauf autour du feu. Ah, nous sommes les derniers romantiques, Oscar. Des survivants. Victor Hugo est mort, et Napoléon, tous les Napoléons, Garibaldi, Lord Byron, Robert Lee. Les gens d'aujourd'hui sont tellement soucieux, angoissés, toujours à la recherche de solutions définitives pour apaiser la planète tout entière. Ils ont peur, Sarah. Regardez ce qui m'est arrivé.
Ils sont devenus tellement... démocratiques. Oh, c'est rasant, c'est étouffant. Nous n'étions pas comme cela, n'est-ce pas? Non, nous n'avons jamais essayé de nous apaiser. Nous nous sommes plutôt exacerbés. C'est peut-être un grand défaut, Sarah, un péché capital, l'excès. Notre existence n'a rien changé au monde. Nous ne l'avons pas rendu meilleur. Meilleur, non. Mais là où vous pariez, là où je jouais, il était plus grand, plus excitant, non? Sans doute. Oh, quelle barbe! Cela ne donne pas très envie. Mais c'est toujours comme ça, ma chère. Plus le monde devient infini, plus on se sent à l'étroit. Nous avons vécu comme des brutes, sans ces connaissances épouvantables. Emportés par une vie si forte que la mort paraissait irréelle, voire amie. Est-ce qu'ils nous comprendront, Oscar? Est-ce qu'ils chercheront à nous comprendre? Ils auraient sacrément tort de ne pas le faire. Écrivez-vous vos mémoires? J'essaie. Moi aussi? Le deuxième volume est assez bien avancé grâce à mon délicieux secrétaire que j'aime tendrement. Un petit chauve pathétique qui ressemble à une chèvre en colère. Ah, voyez comme j'étais sotte, Oscar. Je me croyais immortelle. Mais vous l'êtes, ma chère. Non, vous le deviendrez. C'est mieux. Au revoir, Oscar. Ne restez pas trop longtemps au soleil. Les gens qui passent des heures deviennent des idiots. Ne me tentez pas. Je vais attendre. J'espère que quelqu'un viendra me chercher. Quand il sera temps, enfin, de dormir. Sarah? Oui? Si vous vous décidiez quand même à mourir, mourrez en scène. Pitou? Qu'y a-t-il, ma chère? Mais le soleil se lève? C'est une habitude qu'il a le matin, madame. Ah, je sens l'air marin. Nous sommes au mois d'août, Pitou. Et une journée du mois d'août n'a pas de fin. Je trouve un deuxième cycle. Je reviens. Vraiment? Le soleil est revenu, comme toujours. Le vieux Pierrot aussi, hein, est revenu du pays de la mort. Mais sans regret, cette fois-ci, j'espère. Regret, mais c'est un mot que j'ignore. D'ailleurs, comment parviendriez-vous à le classer à la lettre P? Dans le dernier tiroir de mon secrétaire, vous trouverez le manuscrit d'une nouvelle pièce qu'un jeune poète m'avait envoyée l'hiver dernier, puis je l'avais rangée par découragement. Je me sens capable de la jouer maintenant. Ah, c'est une pièce de toute beauté. La scène d'ouverture est exquise. Espagne, 15e siècle. Une jeune fille mauresque, mon rôle, bien sûr, laissant les rives du Guadalquivir à l'heure la plus torride de l'été, à peine rentrée dans l'eau fraîche du torrent, elle se tourne vers le soleil et déclare « On prétend qu'au paradis, il existe une herbe qui guérit toutes les blessures, même celles de l'amour. Le paradis est loin, je ne suis pas patiente ni sûre d'y arriver jamais. Alors, je te l'annonce, mon Dieu, je prendrai tous les risques. Je ne sais pas si la vie est juste ou sensée ou longue, mais j'ai 20 ans et je veux qu'elle soit belle. » C'est charmant, non? Charmant! Mais... croyez-vous que le rôle, dans votre état... Mon état? Quel état? Je n'ai pas d'état. Alors retrouvez le manuscrit, écrivez au jeune poète et demandez-lui d'ajuster légèrement l'âge de mon personnage. Vous connaissez les poètes, madame, particulièrement les jeunes poètes. Je doute fort qu'il accepte, même pour vous, de vieillir son héroïne. Mais de quoi parlez-vous, Pitou? Je veux qu'il la rende plus jeune. Ah oui. On prétend qu'au paradis, il existe une herbe qui guérit toutes les blessures, même celle de l'amour. Le paradis est loin, je ne suis pas patiente ni sûre d'y arriver jamais. Alors, je te l'annonce, mon Dieu, je prendrai tous les risques. Je ne sais pas si la vie est juste ou sensée ou longue, mais j'ai 15 ans et je veux qu'elle soit belle.